Je me souviens d'une phrase de Bertrand. Les jambes de femme sont des compas qui arpentent le globe terrestre en tous sens, lui donnant son équilibre et son harmonie. Vous avez besoin d'un prétexte pour vous retrouver avec la vérité. Il n'y a jamais eu d'accident en voiture. Ce qui se passe, c'est que depuis que je vous ai vu à Montpellier, je n'ai pas réussi à m'empêcher de penser à vous. Vous étiez plus loquace au téléphone. Mais dites-moi, ça ne vous étonne pas que je vienne comme ça à un rendez-vous aussi étrange? Et puis d'abord, je ne sais pas si vous me répondez sincèrement. Est-ce que, maintenant que je suis assise en face de vous, est-ce que vous n'êtes pas déçue? Sûrement pas. Je crois qu'il y a quelque chose de changé. Peut-être les cheveux. Vous voyez pas un foulard sur les cheveux? J'ai bien pensé y aller aussi, moi, mais au fond, ce sera de la folie, parce que j'adore les hommes. C'est parce que vous adorez les hommes que vous avez accepté si vite de dîner avec moi. Oh, je ne sais pas. Non, je crois qu'on peut difficilement vous refuser quelque chose. Vous avez une façon spéciale de demander. C'est comme si votre vie en dépendait. Vous êtes obligé de partir? Vous pouvez passer la nuit ici? Non, faut que j'y aille. Vous avez l'air triste, vous n'êtes pas triste? Mais non, je ne suis pas triste. Ce lendemain matin, je me lève très tôt. Tu peux reconnaître une chose, c'est que tu ne fais même pas semblant de tenir à moi. Tu es incroyable. Non seulement tu ne veux pas aimer, mais encore tu refuses qu'on t'aime. Je crois que tu aimes l'amour, mais ce n'est pas vrai. Tu aimes l'idée de l'amour. Marc, je suis heureuse avec toi.